Ici, on va regarder quelque chose d'assez simple, hein, mais qui, selon moi, est vraiment pratique, hein, à savoir les réglages de base d'InDesign. Donc là, je suis dans InDesign, mais je n'ai aucun fichier d'ouvert. Et on va voir que je peux régler certaines choses, hein, pour que ce soit, ça devienne un réglage de base pour mes futurs fichiers. Par exemple, ici, j'ai mon nuancier, je l'ai vidé, en fait. J'ai plus le nuancier d'origine d'InDesign et je vais pouvoir, par exemple, venir charger un nuancier où je pourrais créer les couleurs à la main, hein, ce serait la même chose. Voilà, j'ai toute une gamme de couleurs que moi j'aime bien. Voilà, je les ai chargées. Je peux aussi aller. Alors, pardon, je suis pas dans le bon. Voilà. Le paragraphe standard, qui est par défaut en mignon, en principe tous les graphistes le savent, bah, je pourrais. Par exemple, dire que moi je veux du Montserrat directement et plutôt encore 10. Voilà. Par exemple, je peux faire ça. Il y a tout un tas de réglages comme ça que si je les fais à vide dans InDesign, c'est-à-dire avec aucun fichier ouvert, ça va devenir mes réglages par défaut. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque fois que je vais créer un fichier, je vais donc avoir ce nuancier, parce que c'est celui-là que j'ai enregistré. Et puis mon bloc de texte de base, bah, vous voyez que c'est du Montserrat, encore 10, parce que j'ai demandé à ce que ce soit ça. Par défaut, en fait. C'est plutôt, on parle des réglages par défaut. Voilà, donc c'est une petite chose qui peut être assez pratique, parce qu'il y a certains trucs qui sont pré-réglés, qui sont pas très bien pré-réglés, en fait, dans InDesign. Voilà, et on peut régler ça une bonne fois pour toutes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner.